coup, on va en endgame. On va en endgame, vas-y, on clique dessus. Du coup, on a Natsu contre K1. On va régler tout de suite le machin. Tu veux régler? Ouais, vas-y. Vas-y, donc du coup, là, tu mets 0. Ouais, exact, ok. Tu peux avec les flèches. Avec les flèches, ok. Tu fais avec ça, avec les flèches. Voilà, et là, du coup, on a Natsu. Ouais, normalement. C'est comment N, voilà, voilà. C'est enregistré de base. Clique, voilà, et là, du coup, c'est K1. Fais mes P2. Mes P2, pour PDE, K1. C'est bon, voilà. Là, on nous en fait beaucoup, je fais save du coup. Mais là, tu fais save du coup. Et du coup, voilà, donc Natsu contre K1 dans ce Loser Top 8. C'est ça ? Donc, dans ce Loser Top 8 sur Tonen City. Oui. Alors, moi j'ai pas de chat. Là, il y a l'internet, donc t'inquiète pas. Ouais, sauf c'est tout le monde. De toute façon, on peut voir le nombre de frames qui sont affichés sur le stream. Normalement, tu peux voir. Oui, tu peux voir en bas. Le débit, bah, on est bon là. Ouais, donc normalement, ça t'inquiète. Non, ça passe, crée, donc après, donc, c'est analyse technique. C'est ça, analyse technique. Les techniciens, technicien smasher. Technicien smasher qui gère le stream. Bien sûr. On reprend donc. Du coup, K1 contre Natsu, Peach contre ZSS, un combat de femmes, du coup. Une princesse contre ZSS, c'est contre quoi une guerrière, un peu, c'est une guerrière. Une mercenaire, c'est vrai. Une princesse contre une mercenaire qui gagnera dans ce set. Alors nous sommes sur Tonen City, je pense que Tonen City va bien avantager ZSS au niveau de ses combos, que ce soit Dance Roper, Roper B, on les connaît, c'est fameuse. Hein. Et par contre, j'ai un peu plus peur pour la Peach parce qu'elle va mourir vite fait par le haut. Voilà, elle a trouvé le fer, donc je parle mal, mais ça se passe pas comme ça au final. Voilà. Mais voilà, bah, évidemment, Kiwan qui retrouve le kill la stock assez rapidement. Le truc de TC justement, c'est quand venait donc le ladder, c'est ça. Donc duo low blast zone vers le haut. Mais Peach en soi, bon, un up. Ah oui, elle a un B aussi qui tue très tôt. Un up qui tue très tôt et puis les blast zones sur les côtés. Aussi avantagé. Le fer, t'as bien vu. Hein, oui, bien sûr. Mais instinctivement, ça me ferait quand même plus peur pour la Peach, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Bah là, regarde, t'as vu, là, non, ça a failli mal tourner. On s'est tapé un petit ladder. C'est ça, exactement. Ça s'est pas concrétisé avec le B, mais. Alors là, une phase de neutral comme on les connaît, bien sûr. La ZTC qui trouve le double jab. Une phase de jab, tu sais, il se cherche un petit peu là. Il, trouve, il cherche l'avantage tech. Voilà, l'avantage tech qui est fait par K1. Ça tue pas parce que notre cher Natsu va donc DI, hein. Bien sûr, DI down, je crois, si pas de conneries. Oui, normalement, c'est DI down. Hein, c'est bien, c'est ça. Bien vers le bas. Oui, oui. Moi, je le fais instinctivement, tu sais, je sais pas trop te le dire. Oui, non. Mais je crois que c'est bien DI. Un instinct, mais c'est bien le DI down. C'est ça. Voilà, bien sûr, down throw back air, la part de la Peach. Natsu qui va être l'un des seuls. Genre de Peach du tout. Oui, c'est bien garçon, c'est ça. Excuse-moi, je l'avais jamais vu avant. Qui joue Peach dans un mec. Parce qu'en fait. Oh my god, bah t'inquiète pas. Non, mais juste je vérifiais, tu vois, on sait jamais, hein. Je l'ai jamais vu avant. Bah, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de joueurs féminins qui jouent Peach, ça. C'est vrai que c'est vrai. Il y en a beaucoup. Aussi des Pikachu, en fait, on tire. Pikachu, Kirby, tout ce qui est mignon, en fait. Tout ce qui est mignon, exactement. Voilà, ça attire l'œil. Voilà, c'est ça. Dans le sexe opposé. C'est ça. Enfin bon. C'est bref, n'est pas ce débat. Le commentaire. Le commentaire est le commentaire un peu cassé. Un peu cassé, donc ça. Ah, donc c'est 1-0 de la part de Natsu. Ouais. Ça a trouvé le downthrow sur le forwarder. Non, c'est pas le bon, voilà, c'est celui-ci. Oui, c'est ça. C'est bien le J1 ou J2 Natsu, ça, en fait, que je j'ai dicté. Non, c'est le J2, bien sûr, tu l'as bien fait. Et confiance en toi. Enfin, c'était moi d'ailleurs qui l'ai fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, t'avais bien check tout. J'étais pas sûr à 100%, tu vois. Donc, c'est pas la confiance. Non, mais genre. Parce qu'il est pareil. On sait jamais. Je plaisante. Bien évidemment. Évidemment, donc la phase neutrale qui est trouillée, donc la part de la chic. De la ZSS, pardon, excusez-moi, chic, n'importe quoi. Le grab dans le vide. Bien sûr, la phase neutrale, attention. On est retourné sur TC, bien sûr. Attention, upper. Upper, bien sûr. Là, elle avait la rip d'air dodge. Attention à la Peach. T'as vu ce B là? Là je pense Natsu il pensait ok alors là il va me ladder. Ouais c'est ça. Genre, et là je vais le B, je vais le douiller. Voilà, Inch'Allah il me rate. Du coup c'est moi qui vais le B, derrière. Après tout on est dans Smash 4 hein, pas de neutral que des douilles comme dira un certain cadage. Pas de neutral que des douilles. Et bien sûr protéger les chaises hein. Protéger les chaises, attention. Bien sûr. Tout ici, les chaises ici, quand on touche pas, c'est la première fois qu'on vient faire un tournoi ici, donc on n'y touche pas. Bien sûr. Alors. Du coup, on retrouve la phase de neutrale avec les projectiles de la part de la Peach, bien sûr. Hein. C'est un bon outil, je trouve,
C'est quoi, c'est un poireau? C'est un radis. C'est un radis. C'est un radis qui commence. Alors ouais, c'est le B de trop un peu, ouais, peu calé ça. Comme ça. C'est un peu genre un peu ballsy, tu vois, genre ouais. ça passe pas. Je sais pas si c'était une mission pute ou genre vraiment il s'est dit ok là il va passer maintenant devant. Tu sais que ça m'arrive beaucoup moi, genre je prends mon exemple mais avec Sonic j'ai souvent l'impression de me dire oh, voilà. Attends, il y avait une bombe là? Non, il y avait pas de bombe. J'ai cru. Et genre j'aime bien, tu sais, un peu bourré et me dire c'était une bombe. Ah, c'était bien une bombe, voilà, j'ai bien vu un truc noir passer là devant là, j'ai bien vu. C'est une prison sur combien pour avoir une bombe? Je sais pas. Un sur 256 là. C'est très faible. C'est très faible, ça j'en doute pas. Mais après tout, pourquoi la bombe quand en ZSS elle peut pas faire, tu vois? Exactement. Hein, choper l'item de. Pourquoi avoir une bombe quand on peut avoir un missile à terre? C'est vrai. Mais bon, là du coup, si elle a chopé la bombe. Chopé la bombe, ça pouvait être très dévastateur. Hein. Là, 94, c'est tueur. Ah bah, ça j'en ai aucun doute. J'ai absolument aucun doute. Ah, le fer. Mais il a fait la même face que tout à l'heure. Exactement. Mais en fait, j'ai l'impression que Kiwan a quelques difficultés à. Genre, c'est un peu un match-up Aiden, tu vois, Peach. Aiden. Aiden combo, Aiden match-up. Ouais, c'est ça. Mais genre, j'ai un peu peur qu'en fait, genre, il fasse tout de ZSS, mais au fond. Il a un peu peur son match-up, tu vois. Parce que souvent il prend les mêmes trucs, tu vois. Je prends dans le trop fer, dans le trop baquet. Après, je lui jette pas la pierre, hein, j'aurais fait la même chose, tu vois. Ouais, du coup, tu connais pas, du coup, tu paniques. C'est ça, c'est forcément, ça. Tu te dis putain, est-ce que je fais les trucs c'est bien. C'est exactement et... comme moi contre toi, tu vois. Ouais. Je connais pas, du coup, je fais n'importe quoi, tu vois. Tu testes beaucoup de trucs et. C'est ça, voilà. Et la phase, vous trouvez, bien sûr. Donc, une égalité, on repart sur une égalité de la part des deux joueurs. Donc, un pour Kiwan, un pour Natsu. Un pour Natsu. Donc, Tony City qui aurait été avantageux aussi bien pour un joueur que pour l'autre. Hein. Exact. On va se douter peut-être qu'ils vont aller sur potentiellement un autre stage, hein, on sait non, pas. Non, rien. Peut-on avoir le chat s'il te plaît, Charles Grimodas? Oui, bien sûr. Alors attends, d'abord on reprend sur la game tout de suite. Waouh! Wow. Encore sur TC. Bon, je pense que le set va se faire. Voilà, After Effects qui arrive. Ouais, voilà, ça va se jouer entièrement sur TC. Durant cette entière, à moins que. Non, bah, pas forcément, hein, il y a encore quelques games. Pas forcément, mais bon, je pense que c'est mieux parti en tout cas. Là, tu vois. Ouais. Il y a un certain consensus au niveau du stage qui trouve sur Garden City. au moins, ils sont d'accord là-dessus. C'est ça. Après, au moins, on pourra pas dire c'est le stage. Non, ça va. On pourra dire, ouais, c'est le stage, il m'arrive mal du. Après, on sait pas, hein. Peut-être que genre. Alors là, Kiwan qui décide de faire des uppers. Bah, lui, il se dit, on va se transformer en cloud. Après, tu vois, genre, ZSS c'était les uppers de cloud avant l'heure, tu vois. Entre un peu, ouais. Genre. Mais il n'empêche que le père de Claude est quand même meilleur. Oui, c'est quand même au-dessus. Après, c'est même pas sur la même chose, tu vois. Non, mais sûr, c'est pas du tout le même objectif. L'objectif de ZSS, du upper de ZSS, ça va être de trouver le lobby après, tu vois, notamment. Oui, alors que là, le Claude, c'est juste de faire n'importe quoi, en fait, il fait ce qu'il veut avec le père. Il fait ce qu'il veut, plus ou moins. Sauf recovery. Non, pour Rico, non. Après, tu vois, si y a un gars qui fait chier au-dessus de toi, tu peux upper et ah ouais, c'est un saut et tu vois. Hop, tu vois. Bien sûr. C'est pas. Ouh. Ça c'était bien rythme mais c'était mal timé. Ouais, je crois qu'il a voulu peut-être aller offstage et Trump avec le sac B, tu vois. Parce que c'est un peu bizarre, toi, juste oui, faire oui, ça. Peut-être. Je sais absolument pas, je ne connais pas tous les tours que Kiwan a dans sa poche. Ah, dire, mais... excusez-moi. Ah, bourrin, enfin, en tout cas c'était réfléchir oui. Et ride sur un B, comme on dit. On ne bourre pas, on ride quand on est corpo. Il a trouvé, c'est vrai que là au moins c'était le B de tout à l'heure mais qui a été donc. Exactement. Voilà, le F smash. Oh, c'est pas! Ah, bien DI de la part d'Atsu. Hein. Tu vois, comme quoi, ouais, déjà la bonne DI et surtout le fait de se laisser prendre à l'autre bout du terrain, quoi. Même bien sûr, ça l'a sauvé. Ah, mais quand le point il passe pas, on pourra pas faire un second. Quand le point il passe pas, ouais, c'est une seconde fois. Peut-être exactement. C'était aussi les frame traps, tu vois, genre il a air dodge le premier et du coup il se prenait une seconde. Bien sûr. Et du coup, toi, juste pour savoir, tu es où dans ton bracket, t'as pris un mandat de jeu, là, quoi? 12h14? Ouais, sûrement, tout simplement pas. En tout cas, moi j'ai fait top 8, donc déjà je suis content de ma performance. Tu vois. Et voilà. Parce que j'ai un petit joueur parisien, tu vois. Non, mais honnêtement, je suis jamais réputé pour avoir un bon niveau et pourtant faire un top 8 c'est un bon score, tu vois. Oui, bah top 8 c'est toujours un bon score, ça y a aucun souci là-dessus. Ouais. Mais ouais, là après, on est beaucoup hein, pour ce ping. Ah oui, ça fait plaisir. Justement, je me suis déplacé pour soutenir les Toulousains. J'aurais pu aller au Wanted. Non, on va à Toulouse, on soutient la scène. On soutient la scène française. C'est ça, scène on développe les petites zones parce que tu vois, Paris ils ont pas besoin de moi. Alors que vous n'avez pas non plus besoin de moi, mais un de plus, ça vous aide. Ça fait toujours une personne de plus. Hein, c'est ça, exactement. Fort. Et puis là, vous avez quand même fait quelque chose de très professionnel, quand même. Plutôt de qualité. Bon, on a encore quelques problèmes, mais on essaie de faire un peu. Notamment de... les braquettes qui se mettent. Alors, parce qu'en poule, moi, on me donnait des sets que j'avais pas joué. Hein. Alors, c'est pas moi qui tue. Ouais, mais. Je vais balancer ça. Oup, le responsable voilà, derrière. Voilà. Donc, il y a encore quelques problèmes de logistique, mais ça s'améliore. Ouais. Ça s'améliore. Ça, y a pas. Ça, j'en doute pas. Bien sûr. Oui. La douille. Enfin, la douille. Il a réfléchi, mais genre, tu vois ce que je veux dire. Bah, il s'est fait paralyser, tu vois. Bien sûr. Et là, il est off stage.
Tu vois, je peux tenter un petit backup peut-être, mais imagine, tu vois, je rate. Oui, oui, imagine, oui. Imagine, je rate. J'ai été. Imagine, je rate. J'ai été un petit peu méchant, Kiwan qui mérite sa win. Un petit Kiwan. Il a fait une grosse gueule là, je suis sûr. Non, non, il a fait un petit sourire. Ah, il a fait un petit sourire. Bah écoute, Kiwan. Il y a combien de personnes sur le stream? Ça me... T'as aucune idée? Alors, je ne sais pas du tout. Si, je peux le savoir. Ah, est-ce qu'on t'entend à Limoges? On t'attend à Limoges! Ah, j'ai compris, on t'entend à Limoges! On a trouvé une quinzaine. Ok. Je dis bonjour à. Tu sais, genre, ils m'entendent de tellement que je gueule, ils m'entendent de. On t'entend à Limoges! Mais putain! Mais ta gueule, AS! La légende de la voix perdue de Limoges. Exact. Mais du coup, ouais, j'ai bien envie de prendre ma revanche contre. Ah, bah d'accord, lourd. Ah, bah ladder, voilà, lourd, c'est lourd. TCS, voilà, à Liandre, je vais prendre ma revanche contre Luki. Je vais prendre ma revanche, je viendrai un jour à Limoges. Putain, moi aussi, j'ai une revanche à prendre contre Luki. Ah, mais son Mewtwo était des assateurs. Ah, son Mewtwo, ça, je m'en doute pas. Enfin, je joue tes points déjà de base. Et... On s'est vite rendu compte. Ouais. Mais bon. Moi, j'ai un problème aussi, c'est instinctivement, j'ai tendance à sous-estimer mes adversaires. Ah, ça peut pas faire. Exactement, mais c'est instinctif, tu vois, c'est presque animalier, tu vois, ce que je veux dire. Animalier. Je suis le mal alpha, donc. Donc, les autres, c'est. Guimau, le sang. Viens comme bien, tu veux. Viens, tu veux. Deux fois. Oh là là, bien joué. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce Kiwan! Eh bien écoute, il a fait les bails de ZSS. Et... Tu veux de l'eau pour chercher de l'eau? Je veux bien s'il te plaît. Ok, tu me gardes la place par contre. Les petits bails, donc ZSS sur Tonin City. Donc deux fois sur le set, c'était de Lucky, et plusieurs fois, enfin sur le set game. Et donc voilà, c'est fini.